Allô, Ablette. Wow. Ralentissons la lune. On y va. Laissez-le passer. Ça ne vous coûte rien. Peut-être bien, mais ça nous rapporte rien non plus. Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? T'es qui? Sa mère? Non, mais j'ai des armes. Et je sais m'en servir. Vous entendez ça, les gars? Ils nous menacent. Voyons si tes épées sont aussi affûtées que ta langue. S'endors pas. Merci, étranger. Je dirai une prière pour vous à la fin de mon pèlerinage. C'est gentil, merci. Et où allez-vous comme ça? Aux quatre visages d'Emdal, monument à la gloire de notre grand héros. Emdal, un grand guerrier et le premier père des îles, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Avant le tête des Iréad, le dernier âge, Emdal reviendra parmi nous pour affronter les forces du mal, les démons et les spectres du chaos. Cambi le coq doré chantera pour avertir Emdal de la venue du Naglfar et de l'armée des ténèbres. Alors ce sera l'ultime bataille. Le Ragnarok et Emdal sera en première ligne du combat. Espérons qu'il en sortira vainqueur. C'est sans importance. La prophétie est très claire. Après le Ragnarok, ce sera la fin du monde. J'ai tendance à me méfier des prophéties. Le plus souvent, la fin marque également un nouveau départ. J'espère que vous dites vrai, étranger. J'espère que vous dites vrai. Bonjour, étranger. Vous êtes... Bonjour. Oui, et je prie pour vous devant chacun des visages d'Emdal. Au revoir. Soyez prudent.
Moins vite. Tu lui as tranché la tête ? Sacré décoration. En avant ! Thank you.
Galop, Ablette. Le corps est bleu et gonflé, mais ça n'a pas l'air d'avoir gêné les sirènes. Elles ont dû récupérer son corps après qu'elle se soit noyée. La lampe de Kera me serait bien utile. Bienveillante Freya, accorde-nous ton pardon. Nous devions escorter la promise de notre frère jusqu'à son mariage. Mais un orage s'est mis en travers de notre route. Tout est perdu. Agda est morte. Sa dot a coulé sous le feu. Nous avons souillé l'honneur de notre clan. Pardonne-nous, ô noble Freya. C'est inutile, Miguel. Seul le sang pourra laver notre. Ne reculons pas devant notre devoir. Prions sous cet arbre, et ensuite, finissons-en. Oui, tu as raison. Ce sera mieux aussi. Des empreintes. Je me demande où elles mènent.
L'honneur de Skellige. Ils ont préféré mourir plutôt que vivre en sachant qu'ils avaient manqué à leur devoir. Je me suis toujours posé la question. Fais quoi, en fait ?
cette zone, quand il n'y aura plus ni basilic, ni les chênes, ni géants. Attention à ce que tu fais. J'ai une mauvaise nouvelle. Agda est morte. Et vos frères aussi. Quoi ? Non ! C'est impossible ! Leur navire a coulé en pleine tempête. Agda est morte, noyée. Et entre le déshonneur et la mort, vos frères ont choisi la mort. J'ai trouvé cette lettre. Ça vous aidera peut-être. Une lettre ? C'est tout ce qui me reste d'eux. Désolé. C'est tout ce que j'ai trouvé.